Audio Jungle. Bonjour à tout le monde. Notre roman d'aujourd'hui, c'est le dernier roman d'un condamné de mort, son écrivain Victor Hugo. Son but, bien le but de Victor Hugo, c'est abolir la peine de mort. Donc, il faut qu'il persuade ou bien convaincre les lecteurs et aussi l'État pour abolir la peine de mort. Donc, il a fait des arguments. Il nous a cité des arguments, comme par exemple, cette peine est inutile parce que normalement, elle n'a pas baissé le taux de la criminalité. Et aussi, c'est une peine barbare parce qu'on tue quelqu'un, donc c'est un acte qui est inadmissible. Aussi, si vous tuez quelqu'un qui n'a pas de famille, donc il accuse la société parce qu'il n'a pas un tuteur. Aussi, si vous tuez quelqu'un qui a une famille, ça veut dire que vous allez tuer sa femme, elle va devenir veuve, ses enfants vont devenir orphelins. Donc, il a cité beaucoup d'arguments pour abolir la peine ou bien pour changer la peine si quelqu'un tue. Donc, il a commencé son œuvre, son roman, par entrer directement dans les faits. Il n'a pas cité le crime, il n'a pas fait la situation initiale. Et on appelle ça in mediares. In mediares, ça veut dire entrer directement dans les faits. Il y a l'air d'être l'eau, bachara, le mot d'or. Sinon, s'il a cité le crime,